Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, après le vent d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Nous allons prier, Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats. Nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, ton Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, l'occasion d'annoncer ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer de vous notre intelligence, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur, écoute. Nous te prions en vertu du mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Donc la fois dernière, nous avons vu ensemble, n'est-ce pas? Nous t'ai encouragé, n'est-ce pas, pour capable faire bon choix. Tragique ça devant la mort, parce que Jésus offrit nous. Il y a espérance. Il offre nous le salut. Yes. C'est peut-être ça. Non, encouragez-vous pour mettre la foi dans Jésus. Pour capable de la vie éternelle. Parce que c'est gratis. Ok? Donc aujourd'hui, nous allons voir, n'est-ce pas, un autre point. Nous sommes en train d'étudier maintenant la peur, n'est-ce pas? Nous avons une série d'études sur, une série de réflexions sur la peur. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble la peur des puissances. Qui c'est, n'est-ce pas, on l'autre point. La peur des puissances. D'abord, nous allons commencer avec la signification, n'est-ce pas? La signification des puissances. L'apôtre Paul utilisa le thème les puissances dans sa lettre aux Éphésiens, entre autres, pour désigner toutes les activités des esprits mauvais ou l'influence de notre monde, des êtres spirituels, démoniaques et surnaturels. Mais comment l'apôtre Paul définit puissance là? Il a parlé de les puissances. Il dit, il utilise le thème les puissances là dans lettre là. Avec Éphésiens, pour désigner toutes les activités des esprits mauvais. Toute activité esprit mauvais, ou bien influence dans le monde noir. Dans le monde noir, n'est-ce pas, des êtres spirituels, démoniaques et surnaturels. Ils existent. Ok? Démons, ils existent. Ok? Esprits mauvais, ils existent. Ils sont réels. Ils existent dans le monde invisible. Nous dit, or, nous savons que dans toute société ou culture puissance diabolique ça va faire yo kembe moun yo nan peur yo fait moun yo peur yo fait moun yo peur yo kembe moun yo dans la peur n'est-ce pas et l'angoisse de diverses manières. Des exemples des pratiques occultes. Nous pouvons citer les pratiques occultes telles que le recours à la magie, à la sorcellerie. Le désir de connaître son avenir, gen moun ki bezwen konnen avenir, ki bezwen konnen ki sa avenir ap vini, ben yo kontakte yon voyant pou voir an di yo met tel bagay, ki bezwen konnen fitu yo met tel bagay. Et les tentatives d'entrer en contact avec des morts. Moun yo fè ça, consulter des morts pour entrer en contact avec des morts. Il y a ceux aussi qui dans leur désir de manipuler des faux dieux ou des esprits ancestraux en leur faveur deviennent à leur tour esclaves de ces puissances maléfiques et sont pris dans un engrenage des peurs. Donc le danger des pratiques occultes. Certains de nos lecteurs, nous en sommes convaincus. On peut constater la manière dont ces puissances peuvent se manifester. Et il leur est facile de comprendre à quel point ces pratiques, n'est-ce pas, sont à l'origine de nombreux problèmes de santé physique et mentaux, dus notamment aux très fortes angoisses causées par ces esprits. J'ai pu moi-même rencontrer, n'est-ce pas, des personnes plongées dans le monde des paniques occultes et toutes, sans exception, m'ont parlé de la peur vécue à cause de tels engagements. Fin pour un engagement, bah oui. Avec Diabla, Diabla dit la bon cob. Il faut acheter un doum. C'est gado gado, ouais, doum dans plein cob. Un petit moment de temps, doum plein cob. Et pour un gros couleuvre sous doum. Waouh, qu'on a mon encore assez peur. Gen des bagayes qu'on attendait. Diable fait moun. Ah, bagay qui fait peur. Yep, gens qui vivent avec gros couleuvre devant yo. Yes, et ben wap tande. Mon a vinn obligé peur parce qu'il fait engagement avec Diabla et Diabla a mangé, hein. Il dit la bokob, li bokob, pas vrai? La mangé tout. Donc l'enseignement de la Bible. La Bible nous met en garde contre tout contact entre les hommes et les puissances. Elle interdit, n'est-ce pas, toute pratique occulte. La Bible interdit bakadou c'est chrétien, pas vrai? Et puis pour pratiquer ça relais pour une pratique occulte, pour contacter voyant, pour capable dire comment avenir à pied ou que business ou chercher mettre bagaille magie dans. Non, la Bible interdit ça yo.
En promulguant cette interdiction, ou gen business ou ap chèche mete bagay magi an dan, non! La Bible interdit ça. En promulguant cette interdiction, Dieu, n'est-ce pas, nous montre. Dieu montre qu'il a notre intérêt à cœur. D'une part, si nous sommes attirés et séduits par de telles pratiques, c'est la preuve même que nous ne faisons pas confiance en l'Éternel. Yep, si nous pratiquons, si nous sommes dans l'église, hein, on pratique la magie. Ou que business ou ap chèche mete ba an dan, là. C'est preuve qui montre que nous pas fait l'Éternel confiance, nous pas fait bon Dieu confiance. Si nous sommes attirés, n'est-ce pas, par les ténèbres dont ces esprits, n'est-ce pas, sont les agents, nous sommes obligés de tourner le dos à la lumière de Dieu et de rejeter sa vérité, sa justice et la vie qu'il offre à tous les hommes. Donc ensuite, en promulguant cette interdiction, l'Éternel désire nous protéger des graves dangers. Une route seule. Question. Est-ce qu'on va quitter un petit monde qui gagne 2 ans à travers son route pour côté? Soit quitter, répondre dans commentaire, dis oui. Est-ce qu'on tape quitter un petit monde qui gagne 2 ans à travers son route pour côté? Bien sûr que non. Répondre moi. Est-ce qu'on quitter un petit monde qui gagne 2 ans à travers son route pour côté? Bien sûr que non. Est-ce que vous laisserez un enfant dans une pièce avec un serpent venimeux? Ou sous l'arbre ou d'or une panthère? Est-ce qu'on quitte un petit monde dans la chambre, dans la pièce pour côté avec un serpent venimeux? Ou pas quitter? Non, absolument pas. Ou pas quitter? Eh bien, nous avertissons nos enfants des dangers de la vie. Non pour les priver de liberté, mais afin de Non pour les priver de liberté, mais afin de les protéger. Nous avertissons nos enfants des dangers de la vie. Non pour les priver de la liberté. Non pour les priver de liberté, mais afin de les protéger. Il en est de même avec Dieu. C'est même genre pour mon Dieu. Il sait que les puissances du mal sont extrêmement dangereuses. Bon Dieu connaît ça. Il connaît puissance mal, il est extrêmement dangereuse. Satan, c'est ton ange de lumière en l'air qui s'est quitté le Lucifer. Il grand pile puissance. Puissance ça gagne dans bon Dieu est sorti. Bon Dieu l'a gagné la toute puissance là. Il connaît Satan, il a puissance. L'elle avertit nous des dangers. C'est pas pour priver nous de liberté, mais c'est pour protéger nous. Il fait nous connaître le monde jusqu'à présent qui pas quoi. Force diabolique là, force diable a existé. Il dit non, pas de diable. Il connaît ses puissances et les pratiques qu'elle encourage peuvent prendre une apparence séduisante au début. Mais en réalité, elle ne désire que notre destruction. Sous devant, diable a montré le café, c'est si pour, le café, c'est là pour, les bonnes paroles, les montré le café, c'est l'autre bon pour, le café, c'est cool, fait son final entrée. Waouh! Il m'a griffé d'ailleurs. Il dit que la bonne argent ou pas le c'est sous pas le gain. Oui, vrai. Il faut, il se gado gado, ou prend un engrenage. Se gado gado, doum dans plein comme. Ou bien 2, 3, 4 doum, yon plein comme. Ou couleuvre qui couche sur yon. Ou pas qu'à vivre encore. La vie finit pour. Elle désire nous éloigner de Dieu. Ça fait plein. Elle désire, n'est-ce pas, gâcher nos vies. Entre autres, en nous rendant esclaves de la peur. C'est ça. Ça yon. Puissance ça yo, puissance diabolique ça yo. Li gâcher avenir non. Li gâcher vie non. Li rend non non. Li gâcher vie non. Li rend non esclave la peur. Mais si ces puissances ont pour but de plonger les gens dans l'angoisse, ce que nous pouvons bien constater à travers les victimes qui en témoignent, est-il possible d'en être libéré? Est-ce qu'il est possible pour un monde, n'est-ce pas, qui pendant un grenage ça yo? Est-ce qu'elle est possible pour moun sa yo? Est-ce que moun sont capables de libérer? Est-ce qu'il y a une libération pour yo? Nous allons répondre. D'après point ça, Jésus délivre. Dieu ne nous a pas créés pour que nous vivions, n'est-ce pas, dans l'angoisse. Au contraire, il nous a créés pour que nous vivions le cœur en paix. Pour que nous connaissions la paix de Dieu dans nos sentiments, comme dans toutes nos pensées. Alors, pour être libéré des angoisses causées par ces puissances.
et être délivré de toutes les manifestations, nous devons faire appel à Dieu et à celui qui est capable de délivrer. Mais il faut faire appel avec Jésus-Christ. C'est lui-même qui met terre à Dieu, est le créateur de l'univers. Nous devons faire appel avec bon Dieu. Ou bien doit avoir pouvoir diable, la puissance diable, la fort. De pourquoi non bon Dieu, ou répéter Somme 91, c'est lui qui demeure sur l'abri de Dieu, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, qui je me confie. Car c'est toi qui me délivres du fléau de l'oiseau, de la peste et de ses ravages. Tu me couvriras de tes plumes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne craindrai ni les terreurs de la nuit, ni la festival des jours, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De monsieur seulement, j'ai regardé, j'ai fait la rétribution des méchants. Car tu fais de terre ou ta rétire. Aucun malheur ne m'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu ordonneras à tes anges de mirer dans toutes tes voies. Ils me porteront sur les mains de peur qui m'ont pénétré contre les pierres. Je foulerai lui l'onceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivre, je fais vraiment salut. Amen. Donc ça veut dire pour commencer à réciter somme. Ils me porteront sur les mains de peur qui m'ont pénétré contre les pierres. Je foulerai lui l'onceau et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivre, je fais vraiment salut. Amen. Donc ça veut dire pour commencer à réciter somme. Diable a retiré quoi? Il n'est pas qu'à camper devant la puissance de Dieu. Donc nous avons pu constater que beaucoup de personnes rencontrant un problème occulte, comme des manifestations d'esprit ou autres, ont alors recours à des sorciers, des marabouts ou des voyants. On va y passer vague, on a contacté un voyant pour le connaître qui s'est passé, dans l'espoir de contrecarrer l'origine de ce problème. Waouh! Autrement dit, ces personnes recherchent la paix auprès de ceux qui ne répandent qu'angoisse et malheur. On a cherché la paix. On a cherché la paix. Bon côté monde cap publier angoisse et malheur. Ou pas besoin. Parce que monde n'a peut-être pas lui pagain. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a d'avance. De telles démarches sont vouées à l'échec. Alléluia. Sont voués à l'échec. Telle démarche sont voués à l'échec. Donc la paix et la délivrance se trouvent auprès de Jésus-Christ seul et nullement auprès d'un autre. La paix, c'est Lig Bailey. C'est qui dit ça, Lig Bailey. La paix, c'est seulement Lig Bailey. La paix pas trouver le Christ de l'autre côté qui est dans Jésus. Pas de l'autre côté qui est monde qui a libéré, qui est monde capable de jouer une délivrance, qui est monde qui a joué la paix qui est dans Jésus. La paix pour nous. La paix pour nous. La paix dans l'esprit. Pas de l'autre côté qui est dans Jésus. Voici une bonne nouvelle pour tous ceux qui sont paralysés par la peur. Yes, ou même cap suivi étude ça, qui est paralysé par la peur. Victime de puissances occultes. Démons à tracasser. Comment nous sommes capables de recevoir des livres, ça m'a parlé là. Et paix ça. Et c'est ça que nous allons répondre dans la prochaine étude là. Jésus est tout puissant. Yes. Jésus. Il a toute puissance. Jésus. Il est toute puissance, il est omnipotent. Et c'est ça que nous allons répondre dans la prochaine étude. Là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Ou même qui déjà abonné, partagez. Faites des commentaires, partagez dans différents groupes Facebook pour nous atteindre plus de monde. Et ou même tout pourquoi abonner, nous encourageons. Abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle étude, une nouvelle réflexion chaque semaine. Semaine prochaine, nous allons continuer pour nous avec vous. Comment peuvent-ils recevoir cette délivrance et cette paix? Nous allons voir, c'est Jésus. C'est dans Jésus seulement qu'il est capable de recevoir. Merci.